Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette semaine à Ushuaïa. Ça, comment raconter Ushuaïa quoi? Par où commencer? La montagne? La mer? La neige? La pluie? Le vent? Et du soleil? Un petit peu aussi. Un petit peu aussi. Mais au fait, si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous c'est Nadia, Olivier, et avec nos deux enfants, on a décidé de quitter notre joli petit village au-dessus des nuages pour faire un grand voyage en famille. Alors avant d'en arriver là, il nous a fallu traverser 1600 km en majorité de la Pampa sur la route 3. Une route en mauvais état avec des ornières, des gros camions, du vent. On aura aussi traversé deux fois deux frontières, franchi le détroit de Magellan en ferry. Ouais, mais la route, elle nous aura réservé aussi des surprises, des réveils chaque jour différents. Magnifique. Super romantique, super instagrammable. Bon bref, on va accélérer un petit peu tout ça pour arriver au bout de la route 3. Au bout du continent sud-américain. Au point le plus au sud atteignable en voiture au monde. Tout simplement. Au bout du monde, Ushuaïa. Peu à peu, la Pampa laisse place à un paysage qui mêle deux mondes, la montagne et la mer. La ville d'Ushuaïa ressemble bien à l'idée qu'on peut se faire d'un port du bout du monde, dans un environnement rude et poussiéreux quand il n'est pas recouvert de neige. Avec des tavernes où s'échangent des histoires de marins et aussi d'alpinistes. Ça y est, on est arrivé à Ushuaïa. Allez, on va le dire tous ensemble. On est arrivé à Ushuaïa. Ushuaïa. Pour notre part, après une rapide visite à l'office de tourisme, on s'organise une petite semaine d'activité. D'abord, la fin de la route 3 qui se situe dans le parc de la Tierra del Fuego. Et ensuite, rando, rando, rando. La route 3, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter dans l'autre sens. Voilà. Par la 40. Le final de la route 3, ça y est, on l'a fait. Il est parti tout seul devant sans nous, il s'est même pas inquiété, sans se retourner. Il est en train de jouer. Ah, ça y est, il vient de nous voir. Le gars jouait tout seul. Il s'est pas inquiété d'être tout seul. Non. Ah non, mais là, Robinson Crusoe, là, c'est son bonheur. Là. Ah, et lui, il a besoin de ça. Ah, c'est son bonheur, là. Il est entouré de nature et il joue.
Voilà, c'est le bonheur. Alors on est où là, Nadia? Alors nous sommes au bout du petit chemin de La Pattaya. L'endroit le plus au sud où l'on puisse venir avec un véhicule en Amérique du Sud. Donc de la Terre. Ben oui, parce que regardez une carte. En fait, la pointe de l'Amérique du Sud, c'est l'endroit le plus bas. Au sud. À côté, il y a l'Antarctique. Quoi. Oui. Et là, tu peux pas y aller en voiture. Ouais. On n'avait pas réalisé, nous. Au sud. Ouais. C'est une terre qui est ronde. Donc le bout du monde, ça veut pas forcément dire. Ah, la terre est ronde. Ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est sorti ça. Ah, ça. Mais on est sûr. Ah, sûr. Vérification. Bah, il y en a qui doutent. Mais la terre est ronde, donc le bout du monde, ça veut pas forcément dire grand chose. Mais le sud du sud, le point le plus au sud, quand même. Le point le plus au sud. Ça, c'est fait. Quoi. Non, mais c'est ouf quand même. Ouais. On est là et il y a même des moules, ouais, comme chez nous. Ouais, il y a des moules. Un petit peu plus au sud, là-bas, il y a le Cap Horn. Il y a le Cap Horn. Le Cap Horn, quoi. À une distance, là, à rien, là. Pas loin. Ouais, tu te rends compte. C'est difficile de réaliser vraiment. C'est ouf. C'est... Ouais. Petit rayon de soleil. Ouais. Là, c'est que du bonheur. Là, on kiffe la life. Hein. Tu kiffes ta life? Ah ouais, je vis ma meilleure vie, là. Ah ouais. Ah, tu le dis en français, toi? Ah ouais. Je vais apprendre à le dire en espagnol. Et joyeuse Saint-Valentin, Doudou. Ah ouais, joyeuse Saint-Valentin, Doudou. Toi aussi. Et voilà, premier spot du soir à Ushuaïa. Super spot d'hier, c'est un petit peu transformé avec la nuit. La météo est très changeante ici à Ushuaïa. Là, il pleut. Tout à l'heure, il neigeait. D'ailleurs, la montagne en face est enneigée. Et du coup, on se caille. Alors, on a rallumé le chauffage parce que on se les pèle. Voilà. Demain, la météo sera meilleure et on pourra aller visiter, aller se balader, aller profiter. Tout le monde croit qu'on vit des vacances de rêve. Et en fait, on vit un voyage de baroudeur. Bon, ça reste quand même notre endroit préféré d'Ushuaïa jusque-là. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Lou? C'est trop beau. Il y a la petite mare à côté là. Ouais, c'est un lac. Et on a vu un espèce de cygne. On a vu un cygne à tête noire. Ouais, et avec du rouge, une crête. Et aussi un renard. Un renard. On commence à apercevoir le lac à travers les arbres. Il faut dire que ça grimpe. Hein. Ama, t'es courageuse. Hein.
bah super hein. Sur des centaines d'hectares, tout ce que tu vois autour de toi, il n'y a pas une habitation. C'est complètement protégé. On a vu un condor. On a vu un ibis. On a vu. On a vu un renard gris argenté. Et plein d'autres choses qu'on n'a pas vues, plein d'autres animaux qu'on n'a pas vus. Des caracaras ? On a vu des caracaras. Mais je veux dire par là qu'il y a aussi des centaines d'animaux qui eux nous ont vus et que nous on n'a pas vus. Voilà, donc ça fait de cet endroit quand même un endroit extraordinaire. Allez, c'est reparti, c'est la descente. Il y a deux secondes, il y avait la grêle, et maintenant, regarde, là, deux caracaras, magnifique, et là, les montagnes. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Par contre, il gèle. Ça change tout le temps. Jamais pareil. Là-bas, ça c'est très loin, mais il y a aussi des montagnes enneigées là-bas. Puis juste là. Et un petit train qui passe. Parce qu'avant qu'il y ait des routes, ils transportaient tout avec le train et par voie maritime, par bateau. Allez, on part pour une nouvelle rando, on ferme la maison et c'est parti.
canal de Beagle. Un canal, mon chéri. Waouh, ça y est, on arrive en haut de la rando, de l'autre côté le canal Beagle avec Ushuaïa, etc. Et puis de ce côté-là, les montagnes au pied desquelles on a bivouaqué avec le camion. Et en fait, si on regarde là, tout là-haut, on n'est qu'à 1200 mètres d'altitude. Et oui, il y a la mer qui est juste là. Donc toutes ces montagnes, elles ressemblent à des pics à 3000 des Alpes de chez nous, mais ici non, elles sont pas très hautes en fait. Ouais. Oh waouh, cet arbre aussi il est magnifique. Alors cette rando, ça a été dur pour Ama là aujourd'hui, c'est plus dur alors ouais. Que la balade est plus facile, mais tu vois, regarde, elle a réussi ma chouquette, on a pris le temps et on est arrivé. Je crois qu'elle est contente de voir le beau paysage. Hein, c'est beau, hein. Bravo, ma fille, t'as réussi. Bisous. Oulou. Bon, le beau temps n'aura pas tenu longtemps. On commence à prendre des premières gouttes sur le coin du nez. Le vent se lève. Le vent se lève, ouais. Du coup, tu transpires un peu en montant. T'arrives en haut, le vent. Bah, je crois qu'on va faire la descente en courant. Oh, en courant, en courant. On y va? On y retourne? Tu veux encore un gâteau? J'ai soif. Allez, gâteau. Mmh. Allez, on y va. On retrouve la route, enfin la piste, avec un petit peu de soleil pour la fin de cette rando. Fait du bien de marcher un petit peu là, de sortir de la route quoi. Ce matin, on est où? On a décidé d'aller faire un tour en bateau, en fait. Voilà. Alors, t'es là, il est, 10h moins quart. Ils nous ont filé des machins là, pour foutre autour du cou, pour pas paumer les gros touristes. Et bien sûr, Nadia, ça lui fout les boules. On est 50 là à attendre comme des boulets. J'assume pas du tout. Je n'assume pas ma place de grosse touriste. Ça me fout. Non. En même temps, on a de la chance, on a un petit rayon de soleil. Et voilà. C'est vrai que là, on est pas hors des sentiers battus. Là, on est dans le troupeau. Mais c'est bien aussi, on va faire, je pense, normalement, donc un tour de bateau sur le canal de Beagle avec le phare du bout du monde, etc. Donc ça va être chouette. Ça va être...
très bien, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. C'est magnifique, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est trop beau! Oh, super, super, super! Bon, on est bientôt arrivé. Bon, c'est une rando, on n'est pas tout seul. Hein. Là, il y a du monde parce que c'est une rando qui est très facile. Ça reste très agréable. Là, on est au bord de la rivière qui est issue de la fonte de la neige là-haut. Ça y est, on est au sommet. C'est quand même juste magnifique. Et voilà tout le monde, un petit aperçu de ce qu'on a vécu à Ushuaïa. La semaine prochaine, suivez-nous pour d'autres aventures. Ouais. On fait des énormes bisous à toute la famille, à tous les amis. Et merci à tous de nous suivre. Et bien sûr, abonnez-vous !
On se voit la semaine prochaine, ciao.